Salut, salut les serveurs, c'est le Toucan, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le jeu Last Day on Earth. On a repris les raids hier et là on est reparti pour un nouveau raid. On va aller s'occuper de la base de Loco Lake. C'est une base que j'ai trouvée assez facilement sur YouTube. Je ne crois pas la connaître celle-ci, mais c'est une base sur laquelle on va se mettre vraiment très très bien. Baisser un peu le son, ça me casse les oreilles. Un seul C4, quelques petites haches. N'oubliez pas de prendre des bouteilles vides pour faire le plein de votre chopper. C'est très sincèrement une base. Elle n'est pas full gun, mais on n'est pas loin. On va avoir de la tenue et de l'arme à gogo. J'ai l'impression que le jeu me gâte en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Mais je ne vais pas m'en plaindre. Alors, on va commencer par, bien entendu, vider le chopper de notre hôte, comme d'habitude. Cette fois-ci, j'ai pensé à enlever mes jerrycans d'essence. Allez hop, donc on a déjà 20 petits litrons. Allez, alors c'est sympa la radio, mais ça serait bien qu'on puisse l'éteindre quand elle est sur le chopper, parce que des fois c'est casse-burn. Non, vous normalement vous n'aurez pas le son parce que mon téléphone a un son de merde, tout simplement. Allez, donc on est parti. On n'a pas checké le pick-up. Je perds les habitudes. J'ai perdu les bonnes vieilles habitudes. Bon, le pick-up, pas ouf. Il y a des roues d'ATV pour ceux qui en cherchent, hein, pour leur ATV, bien entendu. Alors, on vient ici. On pose le premier C4. Enfin, le seul C4 d'ailleurs. Hein. Et on va accueillir la première vague. On va se mettre dans une zone un peu dégagée. Voilà, histoire de pouvoir faire le fight façon ring. Allez, octogone, les gars. Octogone, les gars! Allez, on se tranche tout ça tranquillement. Allez, hop, c'est parti. Donc, on va aller checker tout de suite le premier coffre qui est vraiment pas dégueulasse hein, pour un premier coffre. On va pas se mentir. Il n'y avait plus rien. Hein. Non, il n'y avait plus rien. Alors, il y a une vingtaine de coffres et il y en a 2, 4, 6, 8, 9 qui vont nous intéresser. Je me suis fait mon petit plan, hein, bien entendu. Allez, on est parti. Très franchement, c'est pas trop mal. Alors les tenues, je les prendrai après. Hein. On va les mettre tout de suite des trucs dans le chopper, comme ça on est débarrassé. Allez hop. Donc on va avoir de la tenue SWAT, de la tenue tactique. On va avoir du kit de soins aussi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas dégueulasse du tout. Moi, je suis très heureux d'être tombé sur cette base. Je suis un peu surpris, puisque ça fait quand même deux bons raids de suite. On me dit, Kéfir, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, coffre suivant, on a celui-ci. Voilà, encore des tenues SWAT. Hein. On va avoir celui-là. Je fais ça vite, hein. Je suis désolé, c'est le matin. Il n'y a pas longtemps que je suis debout. J'ai encore la tête un peu ensuquée. Hop, on accueille la deuxième vague. Je vous ferai une petite ellipse le temps de me laisser mourir parce que très sincèrement, je maîtrise pas le. Puis comme j'ai pas laissé mon chien buter les zombies, il va me les buter de toute façon. Donc je ferai une petite ellipse le temps de me suicider. Hop, là on est bon. Ensuite, on a ce coffre-ci. Donc là, si vous comptez bien, on en est déjà à 5. Et vous voyez qu'on fait le plein de Glock. On pourra faire le plein de tenues également. On a ce coffre-ci. Là, c'est. Ah, c'était juste pour la tenue. Bon, bah écoutez, on viendra se servir après. Tac, 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 tac. On va avoir ce coffre-ci, si je ne me trompe pas. Voilà. Encore du Glock en veux-tu, en voilà. Il y a de la bouffe, il y a du soin, il y a tout ce qu'il faut sur cette base. C'est comme chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, on va avoir ce coffre-ci. Voilà, pour les petits jerrycans d'essence. Alors, on a la troisième vague qui est là. Oh, peut-être mettre un petit coup de soin, ça serait pas mal. J'ai failli me rater. Allez, vraiment, là, je suis très, très, très heureux. Cette fois-ci, les quêtes que j'ai dû faire pour ce raid ont été remboursées en armes, parce que j'ai dû les faire les 20 vagues du commissariat. Et je m'embête pas, hein, j'y vais full Glock. Ouais, je voulais mettre le. Est-ce que ça va rentrer?
Non, ça va pas rentrer. Ok. Bon, bah tant pis, on va abandonner les trois petits litrons. C'est pas bien grave. Ça, je vais lui laisser. Tiens, je le mets là même. Regarde, on va faire comme ça. On va faire bien ranger. Voilà. Ça, on va l'utiliser. Je regarde si j'ai pas fait de bêtises. Donc là, c'est bon. Donc on va changer de tenue avant de partir. On en prendra peut-être une ou deux si j'ai de la place. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ce coffre-ci normalement à ouvrir, je crois. Donc là, on a pas mal de kits de soins. Hop, ça je vais y laisser là finalement. Puis c'est tout, hein. 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. C'est bizarre, mais pas plus de coffres que ça. Bah, je vais me suicider et puis ce qu'on fera, on essaiera d'ouvrir les autres coffres ensemble. Par contre, là, je suis un peu trop. Bon, je vais me laisser crever de toute façon. Voilà. Et puis, je vous fais une petite ellipse, le temps de mourir. J'en vérifie quand même encore mon chopper. C'est une hantise, ce chopper. Ok, on est bien. Bon, je vous fais une petite ellipse, le temps de me laisser mourir. Et on se retrouve juste après. Allez, à tout à l'heure. Eh bien voilà, on est de retour sur la base. Bon, ça a été un peu long pour me suicider, mais bon. J'avais qu'à m'occuper des zombies correctement. Hein, les laisser me buter. Hop. Alors, j'ai récupéré le petit katana qu'il y avait dans un coffre. On va faire ça, hop. Allez, on re-remplit le chopper et puis on va retourner se servir. Voilà, franchement c'est un super raid. Un seul C4 et voilà comment on repart bien quoi. Ça c'est formidable. Alors on va aller, j'ai déjà, en attendant de me suicider, je me suis préparé les petites tenues que je voulais récupérer. Donc, je vais laisser quelques hachouilles, je pense que je vais en garder qu'une seule. On va faire ça. Comment je peux ranger ça là? C'est jamais bien organisé ces trucs. Hop, on va essayer de faire ça. Là, voilà. Hop, et on va essayer de voir si on peut se faire une autre petite tenue. Soit. Voilà. Alors pour la suite, je sais pas trop quoi récupérer. Alors ici normalement il y a de l'alcool, il y a beaucoup d'alcool. Mais tout le monde ouvre ce coffre. J'ai envie d'ouvrir celui-ci pour voir. Il me reste encore un peu de brouille à faire. Normalement il me reste. Ouais. Piqué collé gramme. Je sais pas du tout lequel ouvrir. Celui-là il est ouvert ou pas? Non. Alors on va s'ouvrir celui-ci. Allez. Ce sera le dernier. Ben non. C'est quoi? Je vais récupérer de la peinture jaune. On va essayer le kit de soins, on va récupérer des piles. Et puis ça sera bon. Hein. Je pense qu'on va pas, on va pas aller chercher plus loin. J'ai refait juste un dernier tour. Mes kits de soins sont rechargés, c'est bon. Là, c'est plutôt pas mal. Je me tâte avec les tenues, hein, parce que j'en crame beaucoup avec la mise à jour. Mais non, allez, on est bien. On est bien. Allez. On n'a plus qu'à rentrer à la base. Alors, c'était une toute petite ellipse. C'était pas spécialement utile. Donc, au définitif, on repart quand même avec pas mal d'armes. Armes et tenues. Vous l'avez vu, il y avait aussi des pansements, des kits de soins. Il y avait vraiment ce qu'il fallait sur cette base. Et c'est génial. Je pensais que Kéfir avait un peu bridé les raids et là je m'en tape deux bons d'affilée. Donc bon, écoutez, tant mieux, hein, je vais pas me plaindre. Il y a ma petite Lily qui est en ligne. Allez, on est parti. On n'a plus qu'à rentrer, payer Michou. Merci le collègue, j'espère qu'on se reverra très bientôt. Je viens me faire une petite vengeance, tu seras le bienvenu. Hein, j'ai laissé quelques babioles dehors comme d'habitude. Ce sera un plaisir de revenir chez toi. Allez. Et puis là, bah, j'ai plus grand-chose à faire jusqu'à ce soir en attendant que les convois soient réinitialisés. Je suis en train de me demander si c'était bien la peinture jaune qui me manquait. Ouais, ça va. Ça, c'est bien. Ok. On va poser ça là. Les piles, normalement, elles sont ici. Voilà. J'ai un de ces bazars dans mes coffres. Oh là 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 là. Non.
Ce que je voulais, c'était un petit circuit électronique, hein, puisque vous le savez, moi je paye en circuit électronique. Surtout un bon raid comme ça. On va pas lésiner sur le paiement. Allez, on va filer. Ah merde, c'est pas. Ah, les détecteurs de chaleur, par contre, je les garde parce que ça peut me donner de l'acier. Donc, il faudrait que je pense à les recycler parce que j'en ai beaucoup aussi. Ah, allez, vite, 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 vite. Vite, vite, plus vite, plus vite. Dépêche-toi. Hop. Allez, barre-toi, Michel. Merci. Ça a été un plaisir. On le rappelle direct. On va prendre les nouvelles quêtes. Ça va m'occuper un petit peu. J'espère qu'il va pas me demander des trucs du genre le bunker ou machin, parce que tout est en attente, hein, en calm down. Donc c'est un peu problématique. Mais qui me donne des trucs du genre trouver du C4, le colonel, ça m'irait. Bon, pas les largages. Bon, C4. Ah, le big one. Le loup alpha, bon, les trois placo-comico, et puis les kits de soins. Donc tout ça, ça sera pour demain, parce que pour le moment, tout est en calm down. Donc tant pis, je pensais pouvoir enchaîner tout de suite, mais c'est pas bien grave. Et bien voilà, les survivants, j'espère que cette petite vidéo de raid vous a plu. Je vous remercie d'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le jeu Last Day on Earth. Et d'ici là, vous le savez, je vous souhaite une très très bonne survie. Salut, salut les survivants!